Allez, c'est donc parti sur ce prix Paulet Anglais Chantilly, concurrents qui sont bien groupés sur cette ligne droite en face avant de rejoindre le dernier tournant de cette course réservée au Paulet d'1m40. C'est donc le numéro 13, Mathéo Dinesbolo, qui emmène son peloton groupé à compte Fidèle Majority. Dès à son extérieur, c'est donc le top heureuse de la dernière police, c'est Charles Taillot qui est donc à l'extérieur et qui rejoint la tête de la course. Course donc très grimpée, très serrée avant cette ligne droite. Ils abordent donc cette dernière ligne droite aura pour rejoindre le poteau. Il occupe la moitié de cette piste difficile à départager à l'île droite, 200 mètres d'arrivée. Nous avons Chartreux, le numéro 16 et c'est le numéro 14 en fait. C'est l'île anglaise qui a fait la ligne droite à 50 mètres du côté, c'est le numéro 14 qui remporte la deuxième place, le numéro 13 et suivi du numéro 17, c'est Philippe Valdavier. La troisième place, 17, 12e, 13.